Bonjour, mon nom est Chongping Niu et bienvenue à cette nouvelle série de trucs et astuces sur l'étude de topologie. Voici donc la mise en situation ici. On aimerait concevoir un nouveau siège, mais on n'est pas certain sous quelle forme notre produit devrait être au final. On a une liste de critères et des objectifs à considérer ici, mais on sait très bien que le travail risque d'être très long si on y va manuellement avec des tests essais-erreurs. On pourrait toujours débuter avec la base d'un siège et ensuite se demander la question à savoir si où est-ce qu'on pourrait enlever de la masse afin de réduire le poids au final. Comment faire pour savoir que notre produit devrait avoir une certaine géométrie plutôt qu'une autre. On va donc faire appel à l'étude de topologie. C'est un outil de productivité de SolidWorks Simulation qui va nous permettre d'obtenir une optimisation, une géométrie optimale au final en considérant des critères ainsi que des objectifs, ce qui inclut aussi des contrôles de fabrication. Alors de cette manière, eh bien, on s'assure que la pièce au final puisse être fabriquée. Soyez donc des nôtres pour notre prochaine partie sur la création d'une étude de topologie.